Bonjour à tous, assalamu alaikum. Bienvenue au premier de notre série de webinaires consacrés à la Méditerranée et organisé par le Réseau de journalisme de la Terre. Je m'appelle Mona Samari, je suis la directrice d'un nouveau programme appelé Mediterranean Media Initiative que j'ai développé en partenariat avec le Earth Journalism Network et avec le soutien financier de la Fondation Adesium. Initiative a initialement développé le réseau de journalisme de la Terre en 2004 pour permettre aux journalistes de couvrir plus efficacement l'environnement. Nous sommes aujourd'hui un véritable réseau mondial qui travaille avec des journalistes et des médias dans pratiquement toutes les régions du monde. Au cours des deux prochaines années, nous allons concentrer nos efforts sur l'offre de multiples opportunités de formation, d'excursion, d'enquête et de subvention axées sur la mer Méditerranée pour les journalistes nord-africains. Aujourd'hui, nous lançons notre série de webinaires sur la mer d'Alboran et sa biodiversité unique et emblématique de l'histoire marine de la Méditerranée. Pour commencer nos discussions, permettez-moi de présenter notre premier intervenant, M. Hussein Nibeni, membre du comité scientifique de la COBAMS, enseignant en biologie marine et président de l'AGIR, expert en matière de conservation marine marocaine et méditerranéenne, bref, une référence régionale. À vous la parole, M. Nibeni. Bonjour. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Madame Mona pour son grand effort qu'elle a fourni pour vraiment joindre tous les acteurs qui travaillent sur la thématique de la biodiversité en Méditerranée. Et donc, c'est grâce à elle qu'on est aujourd'hui là pour parler de comment avoir une vision méditerranéenne, en particulier une vision sur la mer d'Alboran, cette mer qui effectivement joue le rôle de poumon pour la biodiversité au niveau de la Méditerranée, étant donné que cette mer, se trouve entre l'Atlantique et bien sûr la partie occidentale de la Méditerranée. Comme vous savez, la Méditerranée, c'est une mer fermée. Et donc, cette caractéristique est importante dans notre sujet, que ce soit pour expliquer comment fonctionnent les écosystèmes marins entre l'Atlantique et la partie orientale de l'Atlantique qu'on appellerait adjacente pour la Méditerranée est importante. Donc, je vais essayer de partager mon écran voilà, pour un peu décrire. Voilà, je ne sais pas si mon écran est partagé. Oui, on le voit. Donc, comme j'ai expliqué ici que la mer d'Alboran se trouve près de Gibraltar, et donc l'aspect de communication entre cette mer et l'Atlantique constitue quand même une chance inouïe pour les écosystèmes marins de la Méditerranée. Je ne vous parle pas aujourd'hui de la décennie d'oxygène de l'UNESCO pour les océans. Les océans sont en train de s'asphyxier par les phénomènes de changement climatique. Donc, je parais mélanger entre les sujets. Cependant, c'est fait exprès pour expliquer les différents facteurs de pression qui touchent
tous nos écosystèmes. Et donc, par là, je pourrais passer aux pressions directes humaines, telles qu'elles nous concernent, qui constituent les activités de pêche. Et c'est donc ces activités de pêche constituent une pression qui augmente d'année en année. Et le mode de pêche, les différents types de modes de pêche affectent chacun à sa manière donc les écosystèmes. Donc les écosystèmes, on a au niveau de la Méditerranée, de la mer d'Alboran, on a des zones de récifs, on a des zones qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore prospectées assez bien, puisque c'est une mer, l'Alboran est une partie très profonde. Et donc, la chaîne trophique qui constitue par intervalle l'intérêt de la pêche, on arrive à casser ces chaînes, que ce soit au niveau du biotope, si on prend le chalutage profond, donc on est en train de détruire des écosystèmes de corail et des herbiers qu'on ne connaît même pas encore. Et donc, l'aspect ici de cet atelier, c'est-à-dire comment sauvegarder cette biodiversité et ces écosystèmes si on n'a pas encore, on ne les a même pas prospectés. L'autre point, le fait que ces zones-là se trouvent dans des pays qui n'ont pas un niveau de recherche océanographique très poussé, faute de moyens, faute de moyens d'argent, de budget, et même faute de moyens dans le sens connaissance biologique, marine. Et donc, ce webinaire-là, pour moi, est une alerte pour qu'il y ait une certaine justice de partage des connaissances, justice de mise à niveau entre les compétences scientifiques au niveau du Nord comme celui au niveau du Sud. Et cela ne peut se faire sans, je remercie encore mon âme pour ce travail, sans ce genre de travail de connexion. On est maintenant une nouvelle diplomatie. C'est la diplomatie de la communication, de la communication des scientifiques, la communication des activistes. Et donc, le but, c'est de créer cette vision commune entre tous les acteurs et de là, tracer vraiment des buts et voir et comprendre quelles sont les cibles prioritaires et du coup, comment construire et puis conduire une stratégie commune pour réellement réduire les différents types de menaces qui sont des menaces qui constituent en même temps des choses vitales pour l'économie locale. Et donc, comment intégrer les politiques, comment intégrer les économistes, comment intégrer les stratégies des pays voisinants pour vraiment arriver à conserver les cibles. Dans ce cas-là, on parle d'une cible de haute priorité, c'est notre grand prédateur, le requin macro, qui se trouve à la tête de cette pyramide. Et donc, je crois que ayant des cibles biologiques comme celle-là, ayant des mesures, ce serait donc des atouts de mesures pour comprendre et mesurer la viabilité en termes de taille, en termes de conditions et en termes de contexte géographique de tous les cibles qu'on aura choisies.
Donc, je vous remercie encore une fois pour cette opportunité et j'espère qu'on puisse s'accorder pour qu'on puisse travailler ensemble pour mener ce chantier qui, grâce à nos efforts, va, j'espère, grandir et être plus concret dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nibeni, pour votre intervention. Je pense qu'on va revenir vers vous pour des questions plus tard. J'aimerais bien maintenant passer la parole à Monsieur Nicolas Fournier, directeur de campagne de Oceana, un expert en matière de développement des politiques de conservation, plus particulièrement en matière de protection des habitats et de la biodiversité. Connaissant Nicolas depuis quelques années et l'ayant vu à l'œuvre, je peux affirmer sans risque qu'il est l'un des principaux experts de la conservation méditerranéenne. À vous la parole, Nicolas. Merci, Mona. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai partagé mon écran, je pense que vous devez le voir aussi. On le voit. Ok, super. Merci. Comme je ne le vois pas, merci à vous et puis merci beaucoup pour l'invitation pour ce webinaire et puis à tous les participants. C'est vrai que c'est, comme le disait M. Nibani, c'est une opportunité de créer des ponts et de discuter de sujets qui nous concernent tous sur la protection de la Méditerranée. Donc, j'ai préparé une petite présentation d'une quinzaine de diapositives que je vais, sur lesquelles on va vous présenter une proposition d'un récif exceptionnel qui est localisé justement en mer d'Alboran, dans cette zone de la Méditerranée qui est très riche. Et c'est une proposition sur laquelle Oceana travaille depuis maintenant quelques années avec des scientifiques. Et donc, voilà, on voulait un petit peu mettre un petit coup de projecteur sur ce banc des câbliers qui est malheureusement mal connu, mais pourtant extrêmement intéressant d'un point de vue écologique et bien plus. Peut-être rapidement présenter Oceana. On est Oceana, donc une organisation internationale non gouvernementale qui est dédiée à la protection des océans, comme son nom l'indique. On a une présence mondiale, donc c'est une ONG qui a été créée aux États-Unis il y a plus de 10 ans maintenant et qui maintenant opère sur quasiment tous les continents. Et donc, moi, je suis basé sur notre bureau européen. On a notre siège en Espagne, donc proche de la Méditerranée. Et moi-même, je suis basé à Bruxelles. On a une approche par campagne qui sont définies et stratégiquement identifiées. On a 4 campagnes actuellement, donc une qui travaille sur la protection des milieux marins, des habitats marins, pardon, une sur la pêche illégale, une sur la pêche durable et une sur les pollutions plastiques. Donc, le travail que je vais vous présenter s'inscrit donc dans le cadre de notre première campagne sur la protection des habitats marins. Ce qui est aussi particulier, c'est qu'on a une démarche scientifique. On s'appuie sur une approche scientifique pour identifier les problèmes et trouver des solutions adéquates et porter ensuite des propositions de conservation dans nos messages. Donc, voilà un petit peu aussi notre approche. C'est vrai qu'on a une spécificité, on possède un bateau, on a des collègues qui sont donc scientifiques et on organise des expéditions en mer pour identifier des zones à protéger, pour collecter de l'information. C'est toujours un problème sur les océans, on a toujours des données qui sont très lacunaires et on va ensuite faire porter des propositions politiques. On va créer des rapports, écrire des documents, créer de la cartographie qu'on va ensuite porter. Donc là, on voit un petit peu les institutions européennes, mais on travaille aussi au niveau national, bien sûr. Et il y a évidemment le volet communication qui est très important pour nous, puisqu'on va essayer de sensibiliser auprès du grand média. On travaille aussi sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez voir un peu plus tard, pour porter nos messages et essayer de convaincre le plus de monde possible de ces causes. Alors, pourquoi est-ce que on s'intéresse à la Méditerranée? Je trouvais important de cadrer un petit peu cette discussion avec différents concepts. Vous avez devant vous une carte du réseau d'aires marines protégées en Méditerranée. Donc, ça vraiment, comme vous pouvez voir par la légende, on a différents outils de protection du milieu marin. Et donc, le terme aires marines protégées recouvre plusieurs instruments politiques ou légaux, mais qui sont, disons que là, ça crée une mosaïque et tous ces instruments, tous ces outils mis l'un dans l'autre représentent, voilà, ce réseau d'aires marines protégées
Actuellement, tout ce que vous voyez sur la carte, ça représente plus ou moins 6% de la surface de la Méditerranée. Donc, on a 6% de la Méditerranée qui est aujourd'hui désignée en aire marine protégée de différents types. Ce qu'on peut s'apercevoir immédiatement, c'est un déséquilibre géographique entre le nord, la rive nord et la rive sud, puisqu'on voit qu'il y a une présence beaucoup plus développée, en tout cas, d'aire marine sur la côte nord, et donc des lacunes sur la côte sud, qui peuvent s'expliquer par aussi une question de moyens, et, parce que identifier les aires marines protégées, ça coûte de l'argent, il faut acquérir de la connaissance, comme je le disais. Et on a également un déséquilibre entre les zones côtières et la partie offshore. On voit que la partie centrale, loin des côtes, c'est souvent des zones très profondes, méconnues, où on a peu d'aires marines protégées. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que derrière ces zones qui sont sur la carte, il y a une bonne partie de ces aires qui sont ce qu'on appelle des aires marines de papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a pas de restrictions en place, pour, encore une fois, pour différentes raisons. Ça peut être que ça prend du temps, qu'il faut des moyens. Il y a aussi une question politique pour un rapport de force avec certaines activités économiques. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a une demande mondiale, enfin, il y a un engagement, un consensus qu'il faut protéger 30% des océans pour espérer freiner la perte de biodiversité et aussi accroître la résilience du milieu au changement climatique. Donc, le constat, c'est que ces zones de protection, elles vont devoir s'étendre et augmenter. Sur cette carte, comme vous pouvez le voir, on a notamment un instrument qui nous intéresse particulièrement, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle les FRA en anglais, donc les Fisheries Restricted Areas, c'est les zones rouges. Il n'y en a pas beaucoup, et en fait, la prochaine diapositive, voilà. Ici, c'est simplement une carte qui reprend les FRA. Et donc, ces FRA, c'est un outil qui a été développé pour gérer la pêche. C'est une zone, en français, ce sont des zones de pêche réglementées qui sont adoptées dans le cadre de l'organisme des Nations Unies qui est compétent pour la gestion de la pêche en Méditerranée et en mer Noire, qui est donc la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée. Et donc, cette Commission Générale des Pêches peut adopter des mesures de restriction spatiale de la pêche pour protéger des habitats sensibles, pour protéger des endroits, des zones de nourricerie pour des poissons, par exemple. Et cet outil, il est d'autant plus important parce qu'il a un intérêt dans les zones transfrontalières ou la haute mer, là où d'autres navires de pêche de pays voisins peuvent pêcher, parce qu'il il a une autorité légale, puisque tous les pays qui sont riverains du bassin méditerranéen, ils ont siège à cette table de la CGPM, et donc ont donné leur accord pour collaborer et travailler ensemble sur les questions de gestion des pêches. C'est un outil qui est très efficace pour protéger les habitats marins fragiles, notamment comme les coraux de profonde. Et comme on le voit sur la carte, on a très peu de ces zones qui ont été établies aujourd'hui, et on en a surtout encore moins en Méditerranée occidentale. Vous voyez, quand on regarde sur la mer d'Alboran, il n'y en a pas aujourd'hui. Pourtant, la mer d'Alboran a été reconnue comme un point chaud de la biodiversité marine, et c'est une zone très productive, comme l'a expliqué M. Nibani, parce qu'on a des interactions entre c'est le seul point d'entrée en fait pour les échanges d'eau entre l'Atlantique et la Méditerranée. Donc nous, Océana, ce qu'on propose, c'est de se concentrer sur cette zone du banc des Câbliers, qui est ce petit point rouge sur la carte, qui a été découverte en 2011 suite à une de nos expéditions scientifiques. Et donc, on propose aujourd'hui de travailler à protéger cette zone qui est exceptionnelle. Donc, on va faire un petit zoom. Voilà la mer d'Alboran. Et sur le plan hydrodynamique, je ne vais pas revenir dessus, mais on voit qu'il y a des échanges de masse d'eau qui ont lieu. On voit qu'il y a un courant atlantique qui rentre par le détroit de Gibraltar, et ensuite plutôt profond, et qui va apporter des nutriments et de la productivité. Et c'est au niveau de la morphologie du sous-sol, du sol sous-marin, c'est assez profond, on a pas mal d'élévations sous-marines, et donc ça va créer des couloirs de transmission d'eau. Et on a dans l'autre sens aussi des masses d'eau qui reviennent de l'intérieur de la Méditerranée et qui vont sortir. Ça crée donc une zone qui est très nutritive avec des courants ascendants et une productivité primaire qui est très importante. Et on retrouve donc un certain nombre de monts sous-marins. Certains en orange, jaune, sont bien localisés et connus relativement, mais d'autres, ceux qui sont en rouge là,
sur la carte sont notamment des zones qui sont très peu connues et voilà, dont on a besoin d'accroître la connaissance. Et donc, on voit le banc des Câbliers qui est un de ces points, le point rouge le plus à l'est sur la carte, qui est l'objet de notre intérêt. Donc, il a été découvert, comme je vous le disais, en 2011 lors d'une expédition d'Océana. Et donc, ensuite, il y a eu un certain nombre d'expéditions supplémentaires scientifiques qui ont été mises en place pour améliorer notamment les questions de cartographie, pour mieux connaître ces écosystèmes profonds. Donc, ce sont des coraux d'eau froide qui se trouvent là-bas et qui sont très importants. On compare souvent ces coraux d'eau froide aux coraux tropicaux, qui sont des points chauds de la biodiversité, vraiment des oasis de vie où on va retrouver des plus petits micro-organismes jusqu'aux crustacés, aux poissons et tout un tas d'habitats. Et ça forme un habitat très complexe qui, justement, soutient beaucoup d'autres espèces. Donc, on a eu plusieurs expéditions, comme je vous le disais, en 2011-2012, ensuite en 2015 pour faire de la cartographie, et puis une dernière aussi en 2015 pour continuer à acquérir de meilleures connaissances. Ces expéditions ont mobilisé des chercheurs qui ont travaillé sur des publications scientifiques pour essayer de sensibiliser au phénomène et à ce monde sous-marin. Donc, on a pu faire des cartographies en 3D, des modélisations du monde sous-marin très précises. On sait justement que c'est un corail maintenant qui est un des plus vieux jamais découverts en Méditerranée. Il a plus de 400 000 ans. Et donc, c'est un écosystème. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un ensemble de coraux d'eau profonde qui sont toujours vivants, ce qui est très rare en Méditerranée. Et on voit sur le petit schéma, sur la diapositive, qu'on a en fait un monde sous-marin où les coraux sont sur la crête, les coraux vivants sont sur la crête. Et donc, en fait, c'est un ancien... c'est un ensemble volcanique sur lequel les coraux en fait, se sont accumulés. Et donc, il y a des coraux qui sont morts sur les flancs et les nouveaux coraux sont sur le dessus. Et donc, c'est vraiment quelque part un mont sous-marin formé de corail. Et donc, c'est intéressant d'un point de vue scientifique pour étudier le cycle de vie de ces coraux et puis voir, on parle de coraux fossilisés dans les profondeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez rare. Et on a pu le filmer, notamment avec des petits sous-marins téléguidés. Et donc, on a quelques photos que je voulais partager avec vous. Donc, on a notamment des coraux qu'on appelle l'Ophelia ou Madrepora oculata, qui sont des coraux d'eau profonde très connus et très fragiles. On a sur le banc des Câbliers des coraux qui sont d'une densité très, très rare. On a pu estimer à peu près une vingtaine de terrains de football pour la densité et la surface couverte par ces coraux. On a aussi des coraux noirs, évidemment, différents types d'espèces de corail arborescents jaunes, des éponges marines. Et on a donc une densité moyenne sur certains coraux qui est jusqu'à deux fois plus forte qui est constatée sur des assemblages similaires en Méditerranée. On va donc avoir d'autres espèces de type gorgone. On va avoir en haut à droite ce qu'on appelle un bambou corail, qui est un corail mou, mais qui est très important et qui est surtout en danger critique d'extinction. On a du corail noir, on a des éponges, les éponges siliceuses là qu'on voit en bas à droite, qui sont tout ça ce qu'on appelle les écosystèmes marins vulnérables, donc qui sont des espèces très fragiles, notamment contre les activités de pêche. Et donc sur le site de Câbliers, on a recensé une vingtaine d'espèces protégées au niveau de plusieurs conventions internationales qui sont ratifiées par le Maroc, la Tunisie, les pays européens. Donc on a la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral de Méditerranée. On va avoir des espèces qui sont aussi listées comme en danger d'extinction par l'IUCN. On a la convention CITES, donc la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage, avec un certain nombre d'espèces qui sont listées sur l'annexe 2, donc, qui interdit toute commercialisation. Et puis on a aussi des espèces qui sont reconnues par la CGPM comme des listes d'écosystèmes marins vulnérables à protéger. On a également cet habitat qui soutient des espèces commerciales, donc qui sont accueillies par le récif. On va avoir, par exemple, comme bien sur les photos, la rascasse rose en haut à gauche, la dorade rose en haut à droite, donc le pajot, qui est une espèce commercialement très importante et dont la pêcherie dans la mer d'Alboran, en fait, dont l'état du stock, en tout cas, est préoccupante actuellement. On a le chien espagnol, l'arrêt circulaire qu'on voit au milieu à droite, qui est une espèce aussi protégée par la Convention de Barcelone et en danger critique d'extinction en Méditerranée. Donc, c'est une espèce très, très fragile.
Et puis des crustacés, on reconnaît évidemment la langoustine en bas à droite et la langouste en bas à gauche. Donc on a vraiment un ensemble d'espèces comme ça qui sont commerciales et d'un intérêt de pêche, mais aussi d'autres qui sont menacées. Et leur présence sur le banc des câbliers reflète aussi le statut de conservation exceptionnel de ce site, parce que ces espèces-là sont soit en danger et menacées. On a aussi un intérêt à ce site, c'est qu'on a découvert que le mont des câbliers a aussi un rôle pour justement ces espèces commerciales, parce qu'il est utilisé lors de différents cycles de vie de certaines espèces. Donc on parle de rôle fonctionnel, c'est un habitat fonctionnel halieutique, parce que ça peut servir de nourricerie pour les jeunes poissons, les juvéniles, qui viennent se réfugier, se reposer, se nourrir, voire s'y reproduire, donc avec des zones de ponte et de reproduction. On voit là sur les photos de gauche, notamment des capsules d'œufs de requins et de raies qui sont dans les branches de corail. Donc c'est un indicateur que la zone sert un petit peu de zone de ponte. Et puis à droite, on a vu sur les vidéos, donc là, l'image n'est pas très très bonne, mais on voit un petit banc de dorade rose. Ce sont des juvéniles, donc des jeunes dorades roses qui naviguent dans les coraux. Et donc, c'est un aspect supplémentaire sur l'importance écologique de la zone. Donc, comme je vous le disais, il y a un intérêt à travailler sur cette zone pour la protéger, un intérêt écologique, protection des écosystèmes marins vulnérables, notamment contre la pêche. Il y a cette zone de nourricerie qui a un intérêt halieutique parce que ça permet de régénérer certains stocks de poissons. Il y a aussi un intérêt scientifique parce que ça peut renforcer justement les connaissances, avoir des zones de référence sur des écosystèmes profonds comme ça qui sont rares et qui sont en très bon état. Et ça peut favoriser aussi la coopération transfrontalière en termes de formation pour des chercheurs, avoir des étudiants doctorants qui peuvent venir travailler sur ces zones ou en tout cas se former. Et puis, il y a aussi un intérêt éducatif, puisque c'est toujours une bonne chose d'avoir ce genre de cas pour pouvoir sensibiliser à l'importance de la protection la Méditerranée, par le biais de communication ou d'outils de communication. Et enfin, le dernier intérêt, c'est politique, puisque ça peut vraiment associer différents pays à travailler ensemble politiquement, de façon bilatérale, mais aussi au niveau des différentes conventions que j'ai mentionnées. Et c'est encore plus intéressant parce qu'on est sur une zone qui est transfrontalière. On verra sur une carte ensuite. Je voulais simplement aussi présenter rapidement l'état un peu des activités, la connaissance qu'on a sur les activités sur la zone. Ici, c'est l'analyse de l'activité de pêche sur les quatre dernières années, pas les quatre, mais 2017-2020. Et vous le voyez, on voit donc le cadran rouge et jaune qui représente la zone du banc des câbliers. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a en réalité très peu de pêche. Il y a un petit peu de pêche qui avait lieu en 2017 sur l'extérieur ouest de la zone. Mais autrement, c'est une zone qui est relativement préservée, notamment des activités de chalutage. Donc c'est plutôt bon signe, ça prouve que ça explique pourquoi est-ce qu'il y a pas que les coraux soient en si bon état. Et pour vous donner une idée, on a détecté en moyenne ces 5 bateaux espagnols qui pêchaient sur la zone. C'est du suivi satellitaire qui est fait à travers un outil qui s'appelle Global Fishing Watch. Donc c'est pas complètement parfait, mais on a aussi eu des discussions avec le Maroc et l'Espagne qui nous ont confirmé que la zone était peu pêchée. Pour autant, on sait que l'impact de la pêche sur cette zone, sur les habitats sensibles, existe. Et donc, ici, c'est une photo qu'on a faite. On voit derrière l'anémone, il y a une ligne de pêche, ce qu'on appelle un filet fantôme, qui a été abandonné ou perdu par un bateau de pêche. Et qui continue. Donc, généralement, ça continue à pêcher, ça peut s'en mêler autour des habitats et donc les détruire. Donc, c'est un impact visible. On voit que c'est une profondeur de quasiment 300 mètres. Donc, c'est une zone qui est complètement accessible par des bateaux de pêche. En termes d'autres activités humaines, on a regardé un petit peu aussi, et c'est vrai que l'endroit et la zone est relativement préservée parce qu'on voit sur la carte de gauche, on a les lignes de transport maritime. Donc on voit qu'il est loin des couloirs de navigation principaux et il est très peu fréquenté. Il y a une quarantaine de passages par an de navires, donc quelques conteneurs, des porte-conteneurs, des pétroliers et quelques bateaux de passagers. Et c'est pareil pour les câbles sous-marins sur la carte de droite. On voit qu'il n'est pas traversé par aucun pipeline ou câble de télécommunication. Il y en a quelques-uns dans la région, mais ils entourent la zone. Donc voilà, c'est un autre élément qui confirme le bon état écologique des coraux qui sont sur place parce qu'ils ont été préservés par leur isolation géographique, leur isolement, pardon.
Donc voilà, aujourd'hui, on souhaite discuter de protéger cette zone qui est exceptionnelle. Donc on a fait une proposition de zone de pêche réglementée, qui est donc, comme vous le voyez sur la carte, à cheval entre la partie espagnole. On a à peu près les trois quarts de la zone qui sont dans les eaux marocaines, un peu moins d'un quart qui est dans les eaux espagnoles, et puis un petit bout qui chevauche la partie algérienne. Donc on est vraiment au croisement de ces juridictions. La zone fait à peu près un peu plus de 800 km². Et donc l'objectif de cette proposition, qui est uniquement pour, disons, restreindre les activités de pêche, c'est donc de fermer cette zone à la pêche de fond, donc tout ce qui est chalutage de fond ou engin de fond pour la pêche démersale, pour protéger le monde sous-marin, les coraux, et respecter une approche de précaution. Ce qui est proposé dans un plus précis, c'est d'avoir une zone complètement fermée à la pêche, donc la zone rouge, qu'on appelle le cœur, et ensuite une zone tampon autour. On va interdire certains engins, mais autoriser d'autres engins, notamment les engins de pêche en surface, avec des règles de contrôle et de suivi qui soient plus précis, pour créer justement cette transition vers la zone complètement fermée. Donc voici un petit peu un aperçu de la zone de ce récif. Comme je vous le disais, c'est un petit peu une conclusion. Donc on a ce mont sous-marin qui est quasi vierge, qui est un oasis de corail dans un état de conservation exceptionnel, des espèces protégées et menacées, une zone clé pour notamment les espèces commerciales qui l'utilisent potentiellement pour se reproduire. Et on a une faible activité humaine sur la zone actuellement, mais on sait qu'il y a un impact potentiel sur un développement futur. La pêche notamment, mais pas que, il y a aussi potentiellement le transport maritime, comme on l'a vu, et également les impacts du changement climatique. Donc c'est intéressant, cette zone, de réfléchir à une protection aujourd'hui pour aussi avoir un suivi scientifique de ce qui peut arriver à terme. On a eu des discussions avec le gouvernement du Maroc, de l'Espagne, de la Commission européenne et puis également de la CGPM pour voir un petit peu quels étaient l'intérêt et comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Donc les discussions sont en cours, mais on a bon espoir qu'il y ait un intérêt de la part de tous les pays voisins, parce que pour nous, c'est vraiment une opportunité de traduire des engagements politiques qui existent en matière de protection du milieu marin, concrètement avec la création d'un premier FRA, une première zone de pêche réglementée en mer d'Alboran. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'au Maroc notamment, il y a déjà des stratégies, il y a une stratégie de la ceinture bleue. Il y a eu lors du sommet Un Océan à Brest en février dernier, le Premier ministre marocain qui était présent et qui a confirmé justement l'engagement de son pays à multiplier les zones de protection en mer. Donc c'est un peu un cas où on souhaite utiliser un petit peu ce cas d'école ou ce cas d'étude plutôt pour avancer concrètement avec une zone de protection qui pourrait se faire rapidement, on espère. Et un dernier point, c'est vrai qu'on a, Océana, on a commencé à communiquer un petit peu sur cette zone. Donc on a créé notamment une fiche informative qui existe en plusieurs langues, notamment en français, en anglais, en arabe, en espagnol. On a créé aussi quelques visuels, des vidéos pour essayer de promouvoir un petit peu cette zone, puisqu'on a beaucoup de vidéos qui ont été prélevées, qui ont été faites lors de l'expédition. On a aussi travaillé avec la petite fille du commandant Cousteau, Alexandra Cousteau, qui est un petit peu une ambassadrice d'Océana. Donc on lui a demandé gentiment de mettre sa voix sur des vidéos qu'on a faites pour promouvoir la protection de la Méditerranée et ce banc des câbliers. Voilà, ce sont des choses qui existent en ligne, que vous pouvez retrouver sur nos chaînes de réseaux sociaux, notamment notre site web. Mais voilà, je merci beaucoup pour votre écoute et puis avec plaisir pour répondre à des questions si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Très intéressante présentation. Donc, lors de sa présentation, Nicolas a fait référence à un outil qui s'appelle Global Fishing Watch. Donc, pour tous les journalistes qui participent aujourd'hui, c'est un outil qui est public, qui est accessible. Donc, le site web, c'est fishingwatch.org. Et là, si je mets dans le cadre, dans le search engine Mer d'Alboran, vous pouvez voir ici un aperçu de ce qui se passe pour l'activité de pêche. Donc, Nicolas avait fait référence aux chalutiers qui se trouvaient dans cette zone. Donc, si j'approche avec lui, ça me prend un peu de temps.
pour l'OD. Vous pouvez voir là toutes les activités en vert, c'est des activités de pêche. Ça, c'est la côte marocaine ici, la côte espagnole ici. Donc, si je m'approche un peu plus, et là, nous parlons du récif de Cablier qui se trouve par ici, je pense, on peut voir l'activité de pêche dans cette zone. Donc, en fait, avec cet outil, le plus on s'approche avec le zoom, le plus on peut avoir un détail sur les bateaux de pêche. Donc, normalement, si j'appuie comme ça, je peux voir qu'il y a 14 heures de pêche et je peux voir le nom des bateaux espagnols, des chalutiers espagnols qui se trouvent dans cette région. Même chose si je fais ici, tu appuies dessus, tu peux voir le nom du chalutier espagnol dans cette zone. Donc, quand vous préparez vos reportages, ça aide vraiment d'avoir un peu une vision, d'avoir un visuel pareil, ou aussi de faire référence à certains de ces chalutiers qui se trouvent dans cette zone. Et vous pouvez faire ça pour toute la Méditerranée. Donc, bon, ce n'est pas un outil qui est à 100% parce que beaucoup de ces navires n'allument pas en fait leur système AIS, qui est comme un système GPS. Donc ça, en fait, c'est un outil qui arrive seulement à détecter les bateaux qui ont allumé leur AIS, mais ça donne, ça peut en fait illustrer votre reportage sur la pêche. Très bien. OK. Alors, maintenant, nous allons passer à M. Ahmed Cherkewi, enseignant-chercheur à l'Université Sultan Moulay Slimane, écologiste et expert en espèces menacées. Dr. Cherkewi est également président de l'association Nature Solutions au Maroc. Ahmed va présenter un aperçu de l'expérience liée à l'importance de préserver la biodiversité des oiseaux dans la mer d'Alboran. On ne parle pas souvent d'oiseaux quand on parle de conservation de la Méditerranée, mais en fait, ce sont des espèces très intéressantes et très importantes pour l'écologie marine. Ahmed va aussi fournir quelques retours sur les points présentés par nos panélistes afin de lancer nos discussions. À vous la parole, Monsieur Ahmed. Pardon, Monsieur Ahmed, vous êtes sur mute. Ok, désolé. Donc, salut à tout le monde. Merci Mona pour cette occasion de pouvoir un peu rejoindre ce décor de panélistes professionnels et très bien expérimentés. J'ai vraiment eu le plaisir un peu à entendre leur présentation, même si un peu je vous ai rejoint un peu en retard parce que j'ai eu cette confusion par rapport au timing du webinaire. Voilà, donc je m'appelle Image Sofraoui, je suis plutôt enseignant-chercheur à l'Université Ibn Tufayl. Donc je ne suis plus à Sultan Moulay Slimane depuis presque une année maintenant, que j'ai migré vers l'Université Ibn Tufayl dans la ville de Kenitra, donc un peu environ 40 km au nord de Rabat, la capitale. Donc je vais rapidement partager donc ma présentation. Donc un instant, juste un peu de temps que je partage mon écran. Et j'espère que c'est. Vous me dites si c'est bon. Oui, si vous... c'est bon. Merci. Très bien. Voilà. Donc, justement, mon expertise personnelle par rapport à la mer d'Alboran, comme j'avais déjà expliqué dans un webinaire précédent et par la suite, donc c'est autour un peu des oiseaux marins dans la région méditerranéenne, au moment où j'étais encore directeur de BirdLife au Maroc. Donc, on a, avec le partenaire espagnol CEO, la Société espagnole d'ornithologie, donc il y a eu un certain nombre de collaborations et voilà, dans cette zone très importante justement de la Méditerranée pour un certain nombre d'espèces qu'on vient d'entendre tout à l'heure, Nicolas Fournier et M. Nibani, mais aussi pour les oiseaux marins. C'est des oiseaux un peu qui justement utilisent l'espace de la mer d'Alboran au moins pendant une partie de leur cycle de vie. Alors justement, c'est la zone d'Alboran, donc c'est une zone marine de transition entre deux, disons un peu deux bassins ou deux masses océaniques, justement l'Atlantique et la Méditerranée, puisqu'on parle un peu vraiment de la zone qui se trouve très à l'ouest du bassin méditerranéen. Et elle est bien sûr entourée de trois
pays, et donc bien sûr l'Espagne et le Gibraltar au nord, disons avec l'Espagne, donc c'est la limite nord, et au sud par le Maroc et l'Algérie. Et donc justement, c'est la seule masse de terre émergée dans toute cette région très vaste, avec une superficie de 1650, et qui appartient bien sûr donc à l'Espagne, c'est-à-dire, mais se trouve beaucoup plus proche du Maroc, puisqu'elle est seulement à 56 km d'une zone marine protégée qu'on appelle le site le Cap des Trois Fourches au Maroc. Bien sûr, à part cela, il y a quelques archipels et îlots qui se trouvent aussi au large de la côte marocaine, au niveau de cette. Qui forment aussi une masse de terre comme les îles de Chafarinas et par exemple les îles Habibas au large de la côte algérienne, donc surtout dans la partie un peu orientale de la mer d'Alban. Alors en tant qu'espèce qu'on peut observer au niveau de cette limite géographique de la zone d'Alboran. Donc, ce sont surtout des espèces marines. Bien sûr, par définition, des espèces marines, ils ont en commun de passer au moins une partie de leur cycle de vie en milieu marin. Bien sûr, il y a des définitions varient selon les sources biographiques, selon aussi les convictions des chercheurs en fait sur les espèces côtières et les espèces marines. Mais disons, la plupart se sont mis d'accord qu'ils sont précisément les espèces de procellariformes. Et qui dit procellariformes, donc on ressent surtout ce qu'on appelle les puffins, shearwaters en anglais, ou bien les océanites. Donc, si vous voyez un peu dans la présentation, c'est par exemple les deux espèces qui sont à gauche de l'écran. Donc, les puffins cendrés, par exemple, en français, bien sûr les océanites cul blanc, qui vient juste après. Donc, ça veut dire qu'on est en train de commenter les images. Successivement du gauche vers la droite de l'écran. Donc, on trouve les procellariformes, puis les pélicaniformes, par exemple les foudres-bassons, et aussi le cormoran huppé. Bien sûr, il y en a d'autres espèces que je vais par la suite, mais je parle un peu des espèces les plus emblématiques, les plus importantes pour cette zone de la Méditerranée et surtout du mer d'Alboran. Puis après, on trouve des laridés comme les mouettes et les goélands, les sternidés comme les sternes. Donc, l'image qui est un peu en bas à gauche, donc avant les deux dernières images à droite, il s'agit d'une sterne caspienne, par exemple. Et puis, les acidés, ce sont des pingouins. Mais à séparer des pingouins de la, c'est-à-dire qu'on connaît d'habitude, donc c'est parce que les pingouins ou bien réellement les manchots, c'est des espèces qu'on trouve dans l'Antarctique. Donc ça n'a rien à voir avec les pingouins. Donc l'image du pingouin dans les connaissances du commun, c'est un peu les espèces un peu aptères qui n'arrivent pas à voler, qu'on trouve dans l'Arctique, dans l'Antarctique, dans le pôle sud, mais ce n'est pas ça. Donc ces espèces, on les appelle, c'est des manchots. Par contre, les pingouins, c'est des espèces qui sont capables de voler, même des espèces qui migratrices, comme le petit pingouin qui est à l'extrémité droite, en haut, c'est-à-dire du slide, du diapo. C'est ce qu'on appelle le petit pingouin ou le pingouin torda. Une espèce qui niche depuis le Portugal jusqu'au l'Islande et un peu la côte norvégienne, mais qui hiverne par exemple en petit nombre dans le Détroit et au Maroc. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle aussi le macareux moine, qui est à l'extrême droite de l'écran et en bas, qu'on appelle aussi, chez les Français, l'appellent aussi le perroquet de la mer. Donc, c'est aussi une espèce d'alcidée. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle des espèces marines.
ou bien les oiseaux marins. Alors, au niveau de la mer d'Alboran, on a recensé jusqu'ici 27 espèces d'oiseaux marins observées plus ou moins régulièrement dans l'île d'Alboran ou bien dans les alentours. Donc, on en trouve des espèces qui sont beaucoup figurent sur la liste rouge de Lucerne ou bien sur la convention de Bonn ou bien encore qu'on appelle l'accord de l'Iowa ou bien la convention de Berne, etc., etc. Donc, des espèces qui sont plus ou moins aussi classées dans pas mal de listes européennes comme étant des espèces qui sont protégées. Seulement au niveau de l'île de l'Alboran, on recense principalement trois espèces nidificatrices. Donc, il y a le complexe Cowis Shearwater, ce qu'on appelle aussi le puffin cendré, et le Scopolis Shearwater, ou bien le puffin de Scopoli, avec une estimation de 800 à de 800 à 1000 couples reproducteurs, mais qui sont en déclin d'après les recensements d'un certain ornithologue espagnol et de CEO, le partenaire espagnol de BirdLife. Le puffin cendré, c'est une espèce qui est la plus, disons, un peu représentée au niveau de tout le bassin méditerranéen, dans sa famille de puffins. Au Maroc, on doute encore si l'espèce niche sur le massif du parc national de Hassima, mais l'espèce certainement niche en grand nombre sur les îles Chafarinas, au large des côtes de Sidi, à l'extrême nord-est du Maroc, dans quelques endroits. C'est-à-dire au nord-ouest de l'Algérie et bien sûr quelques endroits aussi de l'est des côtes est espagnoles. Et puis le puffin de Scopoli qui se différencie du puffin de cendré avec quelques caractéristiques plus ou moins difficiles à détecter. Sinon, donc, si on prend de très belles images des puffins, on peut donc détecter quelques différences morphologiques, notamment dans le plumage, pour différencier les deux espèces. Mais c'est une espèce aussi qui est relativement localisée et caractéristique de la zone d'Alboran et de la zone méditerranéenne. Et puis, bien sûr, le symbole, disons, un peu de l'île, si vous voulez, c'est le goélando, hein, une espèce maintenant classée en tant qu'une espèce vulnérable, alors qu'elle était avant une année ou un peu deux ans avant, il était classé comme préoccupation mineure. Disons que même l'espèce a été toujours classée une espèce menacée, mais depuis le début des années 2000, la mise en protection d'un certain nombre d'îlots de nidification comme les îles Chafarinas et l'Alboran a permis, et d'autres bien sûr îlots méditerranéens, a permis une augmentation systématique des populations nidificatrices de ce très joli goéland, mais les recensements récents ont pu constater un retour au déclin de cette espèce qui est endémique de la Méditerranée au niveau du bassin méditerranéen, même si maintenant l'espèce a pu coloniser d'autres sites, notamment dans la région de l'Hassima. Ça veut dire le schéma général de la dynamique de la population de cette espèce est encore une fois dans le déclin, les ornithologues se sont mis d'accord pour reclasser l'espèce et sur la liste rouge de l'UICN et la mettre dans la catégorie vulnérable. Une autre espèce qui est très importante et qui est observée au niveau de l'île de Voran, c'est le puffin des Baléares, ou bien le Balear Shearwater, qui est une espèce classée
dans vraiment la catégorie la plus importante des menaces, qui est donc en danger critique d'extinction et qui est endémique des îles Baléares. Donc, c'est le plus fin des îles Baléares qui, lors de ces mouvements de migration ou bien même pour gagner un peu ces zones d'alimentation, ce qu'on appelle un peu aussi des zones de gagnage, donc l'espèce est observée régulièrement dans la mer d'Alboran, soit pour s'alimenter, soit durant un peu les zones, durant ces mouvements migratoires. L'espèce migre et hiverne principalement au sud de l'Angleterre, mais récemment, il a été aussi une petite population a été identifiée au niveau du détroit de Gibraltar et au nord-ouest du Maroc. Et puis après, le puffin Yelkouane, ce puffin donc niche plus particulièrement aux zones dans le bassin méditerranéen, mais surtout dans la zone centrale et orientale du bassin méditerranéen, notamment dans plusieurs îlots et archipels grecs et italiens, et tunisiens et Malte. Par contre, donc, l'observation de l'espèce en Méditerranée occidentale reste régulière, mais peu de nombres, c'est-à-dire peu de puffins ont été observés dans cette région, notamment au niveau de la mer d'Alboran. Mais c'est une espèce qui est aussi classée vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Une dernière espèce qui est, parmi les espèces que je décris, donc c'est l'océanite cul blanc, qu'on appelle aussi European Stone Petrel. Donc, c'est presque la seule espèce de pétrel qui niche dans toute la zone méditerranéenne. Elle niche dans des îlots, pas directement au niveau de l'île d'Alboran, mais dans des îlots qui sont proches au niveau de l'île d'Alboran. Et bien sûr, sa détection elle est plus ou moins régulière au niveau du site d'Alboran. Il s'agit d'une espèce qui est aussi protégée en Europe. On trouve une espèce qui est emblématique aussi de la Méditerranée, qui est ce qu'on appelle le Mediterranean Shag, ou bien ce qu'on appelle le cormoran huppé de la Méditerranée, parce qu'il y a d'autres espèces qui nichent en Angleterre, enfin d'autres sous-espèces, je dirais, qui nichent en Europe occidentale et en Irlande et au Royaume-Uni. Mais l'espèce méditerranéenne, quand même, si on juge seulement sur cette population, donc elle doit être une population qui est largement menacée en déclin. Au Maroc, aucune observation de nidification de l'espèce sur la bande méditerranéenne, bien sûr, les côtes méditerranéennes, n'a été détectée depuis minimum 20 ans ou un peu plus. Mais au niveau de l'Alboran, c'est une espèce qui est, c'est-à-dire présente, même si elle ne niche pas directement sur le site. Alors, parmi les programmes de surveillance qui ont permis un peu d'évaluer ou bien de recenser ou bien d'avoir une estimation par rapport à la taille des oiseaux marins au niveau de la Méditerranée généralement et au niveau de la mer d'Alban particulièrement. Donc, un certain nombre de programmes ont été particulièrement, entamés par les partenaires espagnols. Il s'agit un peu des colonies de recensement des colonies de reproduction, avec une cartographie de ces colonies, une surveillance côtière des mouvements des oiseaux marins, une surveillance en mer qui consiste à faire des enquêtes sur les oiseaux marins moyennant des bateaux, et puis les surveillances en mer suivies des oiseaux marins et bien sûr les évaluations des menaces donc en faisant de ces surveillances marines. Bien sûr, d'autres initiatives donc, ont été aussi entreprises par BirdLife au Maroc et par d'autres partenaires, notamment AGIR, une association aussi marocaine très active au niveau du parc national des Hessima sur toute la côte méditerranéenne, représentée ici par notre ami Céphocine. Et puis, en termes de menaces, particulièrement, donc, on peut citer la prédation avec des espèces invasives, notamment les rats. Les rats qui font des ravages partout donc sur les espèces insulaires. Le développement côtier, notamment le tourisme balnéaire, les marinas, etc. Le bycatch, ce qu'on appelle des prises accidentelles de pêche, la surexploitation de la pêche, liée à la pêche, bien l'industrie de la pêche.
la pollution, bien sûr, et l'infrastructure marine. Et en tant que mesure de conservation, il faut dire que cette zone d'Alboran suscite un intérêt de plus en plus important. Et il a donc, à travers et donc, un certain nombre de mesures entreprises au niveau de cette zone méditerranéenne, consiste à l'identification des sites prioritaires et des zones marines protégées, notamment dans l'initiative ou bien la Convention de Barcelone. Et puis, la Convention. Il faut aussi citer la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral, c'est-à-dire pilotée par l'UN, par l'Union nationale, c'est-à-dire le programme de protection de l'environnement des Nations Unies, RACSPA aussi, donc l'initiative RACSPA, Regional Activity Center for Specially Protected Areas, et qui ont, enfin, toutes ces initiatives ont permis quand même d'identifier 5 aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne. Donc, on cite par exemple le parc national de Fessima, les îles Habibas en Algérie, la mer d'Alboran, qui est l'objet un peu de notre présentation, le Marco Cerro Gordo, les cliffs, ou bien les falaises de Marco Cerro Gordo, et puis le parc national de Cabo de Gata en Espagne. Et bien sûr, la Convention sur la diversité biologique encourage aussi la protection des sites marins d'importance internationale et régionale. Le programme de BirdLife a aussi identifié dans ce qu'on appelle Important Bird Area, ou bien les ICO, les zones d'importance pour la conservation d'un certain nombre de sites marins, notamment l'Alboran, la mer d'Alboran, puisqu'elle supporte une colonie très importante du goéland baudouin. Et puis, bien sûr, la convention sur les espèces migratrices et l'accord de l'Iowa ou bien la convention de Bonn aussi qui cite un certain nombre d'espèces protégées et qualifie la mer d'Alboran comme étant un site très important pour des espèces menacées d'importance internationale comme le goéland. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé si j'étais un peu long. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed. Merci pour votre présentation. On oublie toujours les oiseaux quand on parle de la Méditerranée, donc c'est bien de rappeler à tout le monde qu'en fait, il y a beaucoup d'oiseaux dans la Méditerranée qui jouent un rôle très important et qui sont aussi, eux aussi, menacés. Donc, nous avons à peu près 15 minutes ou 10 minutes qui restent pour ce webinaire. J'invite tous les journalistes qui participent à poster leurs questions. Donc, on a déjà 3 très bonnes questions que je vais prendre maintenant. Donc, nous avons la première question de chez Rita qui demande, par rapport au réchauffement de la Méditerranée, c'est l'une des mers, je pense, les plus touchées par le réchauffement climatique. Quel sera l'impact à court et long terme ? Donc, je pense que ta question est plutôt axée sur l'impact du réchauffement climatique en Méditerranée. J'aimerais bien adresser cette question à M. Nibeni, en fait. Je pense que vous avez des informations à ce niveau. Donc, à vous, M. Nibeni, si possible. Bonjour. Merci pour cette question, bien sûr, importante. Je n'avais pas vraiment développé ce que l'on fait. Je tiens à informer qu'on a actuellement un observatoire marin. Et donc, on a lancé des campagnes avec le glider sur la partie, sur la zone d'Alboran, sur les limites frontalières entre le Maroc et l'Espagne, surtout le pourtour. Et donc, on a actuellement une base de données de température et de salinité pour cette zone. Bien sûr, et c'est de température allant de 0 jusqu'à 500 mètres, moins 500 mètres de profondeur. Donc, il y a actuellement un réseau au niveau international, on est dans la décade de l'oxygène, projet mené par l'UNESCO. Et donc, justement, il y a cette gravité-là, comme on est dans des écosystèmes
qui sont vraiment touchés par des menaces et des facteurs multisectoriels, multidimensionnels. Et donc, cet aspect de l'oxygène, du manque d'oxygène, du manque, c'est-à-dire l'augmentation de la température est toujours liée aussi au débit, au taux d'oxygène dans le. Et donc, c'est un facteur qui serait prédominant. C'est-à-dire, même si on va conserver, on fait de la protection, chose qui n'est pas déjà acquise. Et donc, c'est important qu'on s'inscrive tous dans ces processus de conservation multisectoriels, multi-acteurs, parce que c'est vraiment il y a une souffrance. Et donc, je rejoins ici tout ce qui a été dit par mes collègues. Augmenter la résilience des écosystèmes est une solution importante pour les l'EFRA, par exemple. Il y a eu la carte des aires protégées et les aires protégées sur papier. Aujourd'hui, on est sur un programme méditerranéen pour, c'est-à-dire mise en œuvre des on-paper MPEs, c'est-à-dire et actuellement des petits projets qui veulent au moins mener les activités. Il y a des budgets pour mener des activités minimales pour que les AMP puissent fonctionner. Et c'est des projets qui sont liés au GEF. Et donc, c'est pour la mise en œuvre. On a un autre projet avec la Fondation MAVA, c'est l'équivalent des FRA, c'est les No Take Zone et les No Go Zone. C'est-à-dire, il y a dans l'aspect des changements climatiques, bien sûr, il y a deux volets. Au niveau des Nations Unies, l'adaptation et l'atténuation. Bien sûr, nous, on ne peut pas agir sur l'atténuation, mais on peut agir sur l'adaptation en augmentant la résilience des écosystèmes, mais aussi celle des populations qui sont liées à ces écosystèmes. Donc, il y a plusieurs protocoles, il y a plusieurs... puisque à des problèmes complexes, il faut des solutions complexes. Et donc, le rôle de ce séminaire, il est aujourd'hui de petite taille, mais moi, je crois en tout ce qui est ascendant, donc du bas, en fonction du bas vers le haut, et l'importance des acteurs locaux pour influencer les politiques au niveau régional. Je voulais juste revenir pour notre ami Nicolas, que c'est qu'au Maroc, on a aussi deux sites qui sont le banc de Chaouen et l'autre banc qui se trouve à l'est d'Al-Hoceima. Les missions du glider ont vraiment accentué les actions pour justement avoir plus de mesures sur la température, la salinité et l'oxygène dans ces écosystèmes. Bien sûr, on est donc inscrit dans d'autres projets de l'Union européenne, donc on a un consortium de 9 observatoires. Il y a aussi l'observatoire de Valencia, qui est parmi ces... Donc, on a l'Observatoire d'Alcima et l'Observatoire de Valencia. Je crois que ce sont des outils importants qu'on peut ensemble dynamiser pour travailler sur des budgets, sur des projets qui ont déjà un financement. Et merci. Merci, Monsieur Nibeni. Rita a aussi posé une question sur les changements qu'elle a pu voir avec ses propres yeux
Donc, elle pose la question, pourquoi peut-on apercevoir des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir, soit très près des côtes, comme des dauphins, ou en mer, comme certains requins? Monsieur Nibeni, est-ce que vous pouvez aussi répondre à cette question? Bon, je pourrais éventuellement donner des éléments. C'est toujours tous ces écosystèmes qui subissent des changements. Donc, comme vous comprenez, c'est-à-dire les phénomènes de température, de changement de température et d'oxygène. Donc, la biomasse, surtout des petits poissons, ils suivent leurs propres zones de confort. Et donc, les prédateurs suivent ces flux, ces dynamiques des espèces qui sont leur proie. Donc, on peut assister à tout type de phénomènes de dynamique, que ce soit par rapport aux espèces, depuis les espèces invasives qui peuvent nous entrer depuis la mer Rouge, qui envahissent, parce qu'il y a d'autres facteurs comme l'élargissement du canal de Suez, par exemple. Donc, même si on s'efforce de donner des réponses, il y a tellement d'actions qui se font simultanément et de pressions qui se font simultanément, que ce soit au niveau global ou au niveau ponctuel des actions de certains pays dans le pourtour de la Méditerranée. On est quand même sur le berceau de la civilisation humaine et avec une densité de tout type de facteurs humains, tourisme, 20% du trafic maritime. Moi, j'ai fait une phrase pour représenter la Méditerranée en plein Pacifique dans le congrès international de l'UICN qui s'était fait en Hawaï. Et j'avais dit cette phrase: We are coming from the future. Étant donné que la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée, la plus sous pression, la plus vulnérable au changement climatique, la plus vulnérable en taux d'oxygène, la plus... Pour nous, malheureusement, ce n'est pas le but que ce soit un laboratoire, parce qu'il y a tellement de choses. Mais ce laboratoire, ce n'est pas pour le rôle un laboratoire scientifique, juste pour la science, mais ce serait peut-être un laboratoire pour porter des solutions. Et j'avais expliqué que les réseaux qui se sont en Méditerranée sont les réseaux les plus nombreux, les plus coalisés. On a plein de réseaux, les réseaux des aires marines, le Metpan, on a la Cobance, on a tellement de commissions, la GFCM, d'éléments. Et donc, c'est un exemple, bien sûr, de solidarité qui devrait se faire au niveau des autres océans qui n'ont pas encore connu, heureusement, cet état de dégradation écosystémique. Et donc, pour moi, j'avais dit donc, cette phrase qui a suscité quand même beaucoup d'intérêt, du fait que les autres océans doivent aussi travailler en groupe pour trouver des solutions. Et je crois qu'en Méditerranée, on se connaît tous, on connaît Océana, mais il faut encore pousser pour atteindre cet aspect d'efficacité et d'efficience. Merci, Monsieur Nibeni. N'allez pas trop loin parce que j'ai une autre question pour vous. Alors, Monsieur Ben Saïd, journaliste, pose la question d'ordre juridique. Il demande, y a-t-il eu des problèmes juridiques dans la région d'Alboran qui ont affecté l'aspect économique et social? Oui, par exemple, il y a un projet qui s'appelle le projet Biosphère, par exemple. Et donc, le projet Biosphère se faisait entre le Maroc et l'Espagne. Et c'était une grande, c'est-à-dire c'est le premier projet en Méditerranée intergouvernemental. Avec le problème de Gibraltar,
Et donc, la Grande-Bretagne a fait cet aspect politico-juridique, a fait que ce projet biosphère il est en état de statu quo. Ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Je vous parle des stocks partagés. En Méditerranée, il y a les grands pélagiques qui entrent. Et donc, ces grands pélagiques qui touchent plutôt le plus haut niveau des réseaux trophiques. Et donc, les quotas entre les pays. Donc, c'est une mer qui est complètement partagée entre les problèmes, entre ce qu'on appellerait les services écosystémiques. Et donc, et c'est pour ça qu'il y a la GFCM. Et donc, le GFCM qui comporte chaque pays à son. Est représenté à la FAO à Rome et discute de toutes les politiques, depuis la petite pêche jusqu'au grand problème de jusqu'à la pêche hauturière, passant par la pêche côtière. Et donc, si déjà dans un seul pays, il est difficile de gérer les problèmes politico-juridiques, que dire entre les pays? Et donc, par exemple, depuis 2011, il y a eu interdiction des filets marins dérivants au Maroc par le gouvernement marocain grâce à un travail entre plusieurs organisations qui ont démontré l'impact de ces filets marins dérivants sur les grands pélagiques et donc par la suite sur les espèces non ciblées telles les dauphins. Et donc, toute la biodiversité se trouve entre les mailles des grands filets qui mesuraient jusqu'à 14 km et qui pouvaient, vraiment, si on comprend que plus de 14 km, si on voit que le Gibraltar il ne fait que 14 km, donc les filets joueraient le rôle de barrière entre l'échange de la biodiversité, des dynamiques de la biodiversité depuis les mers adjacentes de l'Atlantique vers l'entrée. Dans par exemple la Méditerranée. Et je disais la même chose se passait pour l'oxygène, la même chose se posait pour la température. Et donc c'est vraiment c'est un vrai laboratoire écosystémique qui nécessite donc des échanges d'expériences. Et donc là maintenant par exemple, on serait très content de travailler ensemble avec Oceana pour échanger nous en tant qu'organisation non gouvernementale, créer une structure de travail parallèle qui pousserait bien sûr les structures gouvernementales pour atteindre des solutions sur ces plans juridiques. Merci beaucoup, Monsieur Nibeni, pour vos réponses. Alors, une question pour Nicolas, de la part du journaliste Abdelhak Sabri. Quel est le rôle des zones humides dans le maintien de la biodiversité en Méditerranée? Merci. Alors, avant de répondre à cette question, déjà, c'est vrai qu'il y avait une autre question qui était sur la question du changement climatique ou des interactions avec des espèces disons, peu communes. J'avais juste un point qui est important, je pense, à avoir. C'est vrai que M. Nibeni a expliqué justement les problèmes qu'on a en mer Méditerranée. Je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, la perspective historique. C'est-à-dire qu'on est sur la zone, la Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée au monde, une des plus polluées, mais c'est aussi une zone où le changement climatique va se faire ressentir plus fortement. Tous les modèles le prédisent. Et donc, quelque part, je crois, quand on regarde, par exemple, sur les grands, disons, les prédateurs de type requin ou mammifères marins, il faut savoir que depuis les années 50, il y a plus de 40% de la biomasse de prédateurs qui a disparu. Donc, on a une extinction assez générale de ces espèces. Et donc, les interactions qu'on peut avoir, c'est assez anecdotique. C'est aussi parce que l'habitat de ces espèces est de plus en plus réduit, parce que les pressions s'accroissent, la pêche, la pollution, le changement climatique. Donc,
le fait de réduire l'habitat de ces espèces fait que ces interactions sont plus fréquentes. Ces espèces qui, auparavant, qu'on ne voyait pas parce qu'elles étaient au large, viennent s'aventurer près des côtes. Les requins sont aussi naturellement assez curieux. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir une impression de voir plus d'espèces et se dire « Oh, il y a plus de requins parce qu'on n'en voyait pas avant ». Mais les données statistiques et scientifiques nous montrent que c'est, voilà, que c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas plus de requins ou de dauphins parce que ces espèces en fait, sont simplement soumises à des pressions qui s'accélèrent de plus en plus. Et sur la deuxième question, sur le rôle des zones humides dans le maintien de la biodiversité, ce n'est pas un sujet que je maîtrise très bien. Je suis plus spécialiste des zones vraiment marines. Mais il y a une interaction et une continuité écologique qui est très importante entre les milieux terrestres et marins, évidemment. On a des espèces qui vont migrer, on a des espèces qui, notamment, les panélistes parlaient des espèces d'oiseaux qui vont nicher sur les zones côtières. Donc la bande côtière est une zone extrêmement importante pour ces interactions avec des espèces qui vont aller soit se reproduire, soit se nourrir en mer et ensuite revenir nicher ou revenir se reposer à terre. Les zones humides sont aussi une de ces zones critiques qui sont des points chauds de la biodiversité, encore plus sensibles en termes de changement climatique, parce qu'on a des niveaux de stress hydrique qui peuvent s'appliquer. En ce moment, voilà, on le voit en Espagne, il y a notamment un parc naturel en Andalousie où il y a des problèmes de sécheresse et aussi de prélèvement d'eau dans la nappe phréatique qui affaiblissent, en fait, qui réduisent à néant les apports en eau de la zone humide, qui, à terme, risque de disparaître et ce sont des zones qui sont extrêmement importantes, pas que pour les oiseaux, mais c'est vraiment il faut voir ça dans un aspect d'une approche écosystémique des choses où chaque habitat va fournir un ensemble de services auprès de certaines espèces, mais aussi in fine auprès de nous humains, parce que on va bénéficier de ces habitats quand ils sont en bon état et qui peuvent nous produire de la nourriture, de la régulation du climat, aussi des zones d'utilisation récréative. Donc, les zones humides en Méditerranée, je pense qu'il faudrait, je vous encourage à peut-être vous rapprocher d'autres organisations qui travaillent plus proches de ces sujets, donc la Ramsar notamment, qui est une convention qui travaille sur la protection des zones humides. Et je sais que l'UICN aussi a plus de données ou de choses spécifiques, mais c'est sûr que c'est un tout. Et quand on parle de coraux, quelque part, dans la grande, la grande photo de la Méditerranée, les coraux sont reliés à ces zones humides indirectement par des échanges de nutriments ou de choses comme ça. Donc c'est un tout qu'il faut prendre en compte. Donc c'est intéressant de relier ces deux aspects. Merci Nicolas. Donc je voulais vraiment remercier tous les panélistes pour leur présentation et je voulais aussi dire à nos journalistes l'opportunité de soumettre une proposition pour un reportage. Donc, vous pouvez sur le rang, comme vous avez eu les discussions aujourd'hui, donc vous pouvez contacter Tuni Beni et d'autres acteurs au Maroc pour votre reportage, ou vous pouvez préparer un reportage plus approfondi sur un aspect de la biodiversité marocaine. Donc là, c'est un exemple de la subvention qu'on est en train d'offrir en ce moment de la Méditerranée. Donc, on va développer une opportunité pour les journalistes nord-africains et particulièrement pour les journalistes marocains. Donc, ça vous donnera l'opportunité de soumettre votre idée pour un reportage. Vous aurez un petit budget, vous pourrez vous déplacer, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus approfondi. Donc, maintenant, vous coordonnez pour quand on a le nouveau lien. Et entre vous pouvez rester en contact avec nous en vérifiant le lien du régulièrement. Ok, je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie encore M. Nicolas et M. Houssine. M. Chalkeoui a dû partir pour un cours. Et je vous remercie et à bientôt, j'espère. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Encore un plaisir. Au revoir.